saison, qui est encore le pavillon de Villeneuve, l'étape de 91. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept sur le départ, il nous en manque un. Il nous en manque deux là, sur cette grille. Ils sont sept en course. Nicolas Lapousse qui ne sera pas là. Attention, des parties larges, très très larges pour Philippe Tesson. Est-ce que c'est la bonne trajectoire? En tout cas, Philippe, il prend une... Non, c'est une corde un peu plus courte, quoique, sur ce double droite qui se resserre. Alors, on est parti à la faute sur la remontée, hein, sur le double droite, mais cette fois-ci, avant de rentrer dans la ligne droite, voilà, il prend beaucoup plus large. Hein. Philippe Tesson, c'est peut-être là que se donne la solution. Jonathan Vendant également, beaucoup plus large. Bon contact entre Lionel Géléoc et Jonathan Vendant pour la deuxième et la troisième place. C'est belle bagarre là pour la deuxième, la troisième ainsi que la quatrième place, parce que ça revient derrière avec le carton numéro 5 de Florian Quignou. Julien Bernard est dans ce paquet, hein. Rien n'est fait là dans ce paquet, dans ce peloton. Pour le pilote de tête, il y a une trentaine, quarantaine de mètres d'avance, mais rien n'est fait pour les places d'honneur. Ensuite, hein, vont peut-être avoir des conséquences également sur le déroulement de la journée. La preuve, c'est que Jonathan Vendant est parti à la faute. On en profite immédiatement, hein, pour la deuxième place dans ce peloton pour aller le contrer. Lionel Géléoc, parfaitement aligné dans le baquet, eh bien, est venu chercher, alors que Jonathan Morgan essaie de répliquer maintenant dans une attaque dans l'intérieur du double droite, dans les virages 1 et 2. Le 3 maintenant pour le peloton de tête, le peloton de chasse, pardon. Et ensuite le 3, 4, 5 pour le tracé, pour ce tracé ici à Nézin. La victoire acquise pour le 46 de Philippe Tesson. Il y a une belle bagarre en tout cas, hein, qui était avec Lionel Géléoc et Jonathan Morgan. C'était un beau spectacle tout de suite. Ils sont en forme. Hein. Ils sont en forme. Sont les tourismes, hein. Ça a passé fort en tout cas, ça a passé fort, certains pilotes. Ce soir, un petit peu peut-être rappelé en première manche, on va se ressaisir immédiatement pour la seconde. Et on, surtout, on a pris la mesure, hein, du circuit maintenant. Julien Bernard en troisième position, là, c'est des courses. On est presque 85. Sébastien Cosmao. Qui est en tête. Voilà. Voilà l'attaque de Philippe Tesson à l'extérieur du virage 3. Le premier virage à gauche, et là, bien sûr, je vais faire ça. Et le jeu est en 5e position, le jeu parti du 8-54 en compagnie de. Le Jonathan Vendant qui est présent et les figures l'ont imposé d'ailleurs
qu'on fait le pilote et pas le noir, allez, on va retrouver Julien Bernard. Une petite console. Je prends un Julien Bernard. Et là, non, Julien, pardon, ça part de la faute, attention, hein, c'est l'un des favoris, ce sont les Gisteliers, également qui sont remis en question dans cette seconde manche. Juste un instant, pour l'instant, je suis du poisson dans cette série. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal avec Sébastien Casseron, le premier qui s'en va notre joueur gagnant, hein, de pilote 85. Ouais, c'est ça, on a un second place pour Henri Lillian. Oh, 4-3 positions, Jonathan Vargent qui a venu comme une balle pour aller chercher la quatrième place. On fait des choses entre les premiers gestes là dans les pilotes avec belle bagarre en tout cas qui s'est affirmée avec Julien Bernard et Denis Géléoc. Et puis la tête de course hein, maîtrisée grâce à un troisième tour et une attaque dans son troisième tour de la part de Philippe Tesson qui a vaincu en tout cas ses adversaires. Sur le seul virage à gauche, il a pris l'attaque et on n'a jamais pu revoir en tout cas seulement que le lanceur de la ligne. Et c'est parfait, le Romilly a un petit peu
Essayons de s'habituer enfermé en tout cas pour Jean-Mégui, le carte 62. Ça a été le cas également de Jonathan Morgan, enfermé dans le départ. Il n'a jamais pu revenir sur la tête de course.